Salut les copains. Donc, on est en Normandie, dans la... non loin de Bayeux. Et on a trouvé un super endroit pour poser le camping-car, hein, qui est un France Passion au milieu des vergers. On est au plein milieu d'une pommeraie. Et... c'est super comme premier arrêt de camping-car. Ouais. On est super contents. C'est super cool. Ça te plaît? Ouais. Voilà. C'est bien. Quand ça plaît aux grands, c'est qu'on est pas mauvais. Yeah. Nous, on est arrivé à Aromanche. Alors. Là, on est sur les falaises d'Aromanche et on fait une petite promenade le long de ces falaises. Donc... Et on va manger des crêpes, bien sûr. Alors, tu aimerais manger des crêpes. Tu aimerais manger des crêpes. Et on va en manger. Et on va en manger. Aromanche, c'est quoi? C'est un port de débarquement logistique pour les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu les Anglais, les Américains, les Français. Non, les Canadiens. Les Canadiens. Qui nous ont aidé à gagner la guerre. Voilà. Et du coup, on a gagné la guerre. Voilà. Ah, le petit barbecue qui va bien. Ouais, le barbecue. Où est-ce qu'on va après ce petit repas sympathique? Au restaurant pour aller manger un dessert. Une bonne crêpe au chocolat. Ça y est, t'es prêt? C'est bon. T'es prêt, grand? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là, Malo? C'est une vidéo. Alors, on va faire quoi? Nous allons aller dans la baie... En fait, non, on recommence. Voilà. Dans les présalés. Bon, salut Malo, qu'est-ce qu'on fait? Salut papa, qu'est-ce qu'on fait? Je te retourne la question. Donc là, on est sur les présalés et on va aller faire un petit plan de drone du Mont-Saint-Michel au coucher du soleil, mais on est un petit peu loin, donc on va quand même faire quelques images. Ça va être sympa et puis demain, on se rapprochera. C'est parti. Alors là, on est en train de faire du vélo juste à côté de la baie du Mont-Saint-Michel. Et on est dans les prés salés, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Et c'est beau. Je pense que j'ai repéré des moutons à casque. Bon alors grand, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais oublié le drone au camping-car, du coup j'ai dû refaire tous les kilomètres à l'envers pour le récupérer. Bon. J'ai l'air d'avoir un peu chaud. Donc j'ai un peu chaud, ouais, fatigué aussi. Bon, c'est bien, t'as été vite en tout cas, tel un champion, tel un félin, tel un guépard. Et il a ramené le drone pour qu'on puisse faire, forcément, on s'en doute, des jolis plans du pont Saint-Michel. On est en plein dans les prés salés à vélo, là. C'est assez magique. Et Delphine ne relâche pas ses notifications pour son orchestre, c'est super. Mais non! Ah, mais non, c'est pas l'orchestre. Avec Sylvanie sur WhatsApp. Ah, d'accord. Ok. Delphine est très connectée. Ça fait un peu... Ça fait un peu mal, les prés salés. Hein? On est en plein milieu des moutons. Bop 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 b
De Dinan avec une superbe un super petit spot qu'on a repéré sur Park Fortnite. Et qu'est-ce qu'on va faire à Dinan? Et ben on va manger des crêpes avec les barreaux. Et bon, évidemment, on a pris Pénélope avec nous. Coucou Nadine. Mais t'en dors pas, regardez la merveilleuse coiffure que j'ai fini. Super, t'es jolie comme tout. Les copains, donc ça se passe toujours super bien. Après un petit apéro sur la plage d'hier soir, bah, on enchaîne avec un déjeuner. Et c'est toujours pas difficile en fait. C'est un marathon. C'est un marathon. Salut. Ça se prépare très bien. Norvégienne. La presqu'île de Quiberon, qui est un bel endroit très sauvage. On pourrait croire qu'on est à la Toussaint, et en fait on est super au mois de juillet. Super. Tout va bien. En Bretagne. Regardez le ciel. En Bretagne. En voilà. Bretagne. Mais c'est la côte sauvage. Ouais. La bien nommée. On bon, y le, fait. Le mauvais temps ne change pas. C'est toujours aussi beau, quoi. C'est très beau. Tout à fait. C'est toujours aussi beau. Hey. Hey. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ça se passe? Ça se réchauffe, t'as des pingouins. Je vois cela. Malo, il parle avec Anna. Bien. Cheese. Alors bonjour maman, où va-t-on? Nous allons à Carnac. On va s'installer chez un ostréiculteur, espérant qu'il ait de la place. Et puis après on va rejoindre Émilie, Jade et Lison, pour peut-être manger et aller voir ensuite les alignements de menhir de Carnac. Moment sur la plage avec Bichounet, ici même. Voilà, donc un moment pas très compliqué. Alors, faut que tu mettes ta casquette. Là, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Bon, Jade, comment ça se passe la plage? Bien. Ça va, Ben, ça se passe bien la plage? Super. Ça va, ils ont. Bah ouais. Ça va, Vadim? Ouais.
Salut Malo, ça va bien Non, ça va très bien, ça va très bien. Aller voir les alignements de mégalithes de Karnak qui sont réputés être les plus grands du monde. Et on va faire quelques images. Alors, il y a beaucoup de monde. Là, c'est vraiment l'expression, on va aller voir des cailloux. Et avec le Covid, on n'est pas complètement rassuré. On est vachement contents, c'est un moment complètement magique, vous l'avez tous bien compris. Et ben donc on est dans l'Anse du Pot. Et oui, l'Anse du Pot. Alors l'Anse du Pot est une magnifique petite baie qui abrite des parcs à huîtres et on va en déguster sur site directement. Et on est toujours au contact de la Bretagne sauvage avec de forts embruns qui nous lèchent les joues. Et tout va bien parce qu'il y a un petit muscadet qui arrive là et ça va être bien la fête. Salut les copains! Ça va papa? Super, on a fait la route, on a quitté la Bretagne un petit peu nuageuse, on va dire. Et on est en dessous de Poitiers. Et on se dirige vers la Corrèze. Qu'on va essayer de rejoindre demain, peut-être. On va voir. Et là, on est chez un apiculteur et c'est cool. Et on voit que ça se passe bien dans les assiettes aussi. C'est très cool. Voilà, ça marche. Voilà. Alors, et aujourd'hui aussi, on a dépassé les 1000 km avec notre camping-car. Tout à fait. Très important. La barre des 1000, bah, ça passe crème. Hein. Ça va pas être compliqué. La route est toute fluide, toute douce. Avec une belle reprise. Zéphy est très agréable à conduire. C'est cool. Eh ben, bonjour les Mirabelles. Bonjour, bonjour les abeilles, hein, parce qu'il y en a beaucoup. On va prendre les Mirabelles. Non, c'est pas le mur. Delphine, on va acheter un petit peu de miel à la ferme. Donc c'est cool, on est content. Ça fait partie des trucs qu'on fait dans les France Passions. C'est, en fait, on n'arrête pas de bouffer. Voilà, tu vois, c'est clair. Pâté, fromagerie, apiculture, vin, que des bonnes choses. Donc le petit spot Park Fortnite pour pique-niquer en route vers la Corrèze. C'est cool. Est-ce qu'elle est pas magique cette couverture de pique-nique? Avec des jolies fleurs. Hyper pitch. Quoi? Hyper pitch. Je suis d'accord. Voilà, on est posé et on est bien content. On repousse ce chemin. Pour a fortiori pouvoir être dans l'intang pour assister à la visite guidée, a fortiori, des loups qui sont cachés
dans l'ombre et qui ne veut pas voir l'humain. C'est tout à fait. Donc on va voir si on peut voir du loup. Parce que pour l'instant elle a vu des poules, elle a vu des cochons. On a vu le chevreuil, on a vu le cerf, on n'a pas vu le loup. C'est bien ça, mon grand. Voilà. Alors, on va essayer de trouver le renard. C'est merveilleux. On est devant des terriers de renard. Hein. Et on peut le dire, il ne se passe rien du tout. On les cherche. Par contre, alors, en revanche, on les sent. Hein. On les sent bien. Ouais. Pardon, je grince des pieds avec le produit anti-moustique. C'est génial. Bon, là, mon capteur ne capte plus rien, mais c'est pas grave. On aura le son. Bon, alors, Marc, c'est l'aventure. On va aller observer les loups dans leur état naturel. C'est ça. Leur pisser devant l'entrée, comme ça. C'est l'aventure. C'est parti pour aller chercher le loup blanc. Incroyable. On est avec une meute de loups blancs. Qui sont en plein rituel du coucher du soleil. C'est une sacrée expérience. Ben finalement, on cherchait un bel emplacement et je crois que nous avons trouvé. On va rester sur ces cascades. Pente à gérer vite de la cale. Voilà, c'est ça. Et ça va le faire. Bon, Malo. Alors, papa. On est parti pour aller voir les tourbières, les cascades et puis les carrières de pierre. Exact. Là, nous nous dirigeons vers le moulin. À moins que nous allions voir les tourbières. Bon, ça sera la tourbière.
Marc, mais où est-on ? Eh bien, nous sommes à Cotulemain, dans une carrière. Mais Marc, nous sommes dans ici. Une carrière. Oui, peu cher. Il taillait ici la pierre, au coin, ou droit, ou un peu comme il pouvait, grâce à des coins qu'ils appelaient. Incroyable! Et ensuite, c'est la poudre noire qui a remplacé les mortoises pour tailler la pierre. Que ne le faisait-il avec de la poudre? Et il faisait boum. J'ai pas d'autre explication. Après le lac de Vassivière, nous avons établi notre campement sur le barrage même du lac de Chamet. Au programme, vélo, pêche et baignade. Autour du lac de Sèchemaille. Toujours un petit problème avec les noms. C'est très joli. Plein de petits sentiers autour du lac avec des superbes oiseaux, des poissons qui sautent partout, des petites statues. Delphine, ça va? T'es contente? C'est un bon moment. C'est un bon moment. Encore. Il est où Sacha? Il arrive. C'est bon. On a perdu un enfant. Faut nous faire un ratio de 8 sur 9. On n'est pas totalement mauvais, je pense. Hein. Plutôt comme, une belle performance. Comme on dirait, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Exact. À la belle ville de Salers et on va aller voir une abbaye fortifiée. Voilà. Il y a pas mal de monde, mais c'est une jolie ville. C'est cool. Qu'est-ce que tu en penses, Delphine? C'est cool. On va pas rester très longtemps. Non, mais... regardez. Ah ouais, du coup, c'est du parfum. De façon à parfumer même sans allumer. J'aime bien celle-là, la couleur et la bleue, je crois. Qu'est-ce qu'on fait, Hélène? On est en train d'acheter des affaires en cuir. Enfin, ouais, moi j'ai ce bracelet-là. Mais d'ailleurs, je l'aime bien. Tranquille. Papa, t'as deux
poisson dans la fontaine. Et un homard mort. Alors, nous sommes à Salers. On ne prononce pas le S, hein. On a appris ça. Voilà. Le pays du fromage. Voilà. Dans le Cantal. Donc là, on est dans le Cantal. On est à quel endroit, du coup? On est au lac de Saint-Étienne-Cantalès. D'accord. Et donc là, on a passé une nuit ici, près de ce super beau lac dans lequel les enfants se baignent depuis ce matin. Super petit air de camping-car bien cool avec des ombres partout en cette période de canicule. Et on va tracer pour aller à Thoriac, au bord de la Dordogne, dans le Lot. Chouette. Et peut-être visiter le château de Castelnau, Carénac, un des plus beaux villages de France. Voilà, c'est le nord du Lot. Cool. On est où, Guillaume? Où est-ce qu'on est? Ça, c'est une bonne question. On vient d'arriver dans le Lot. On est dans le Lot, dans les gorges. Une petite route tortueuse du Lot. Et la route demande pas mal d'attention, mais elle est très, très, très jolie. Et voilà. L'arrivée en Dordogne, pas compliqué. Enfin, au bord de la Dordogne, dans le Lot. Un endroit assez sympathique. On est là, juste au bord de la Dordogne, avec les enfants qui font les andouilles dans un banc de sable mouvant, dit le panneau. Je pense que je vais aller chercher quelques tongs plantés quelque part. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Alors, ce soir, c'est pâtes ratatouille. Et qui est très, très, très contente, hein? Voilà, donc Alban, je te raconte pas, là. Elle est aux anges. On va mettre quelques petites gousses d'ail. Et puis des petites herbes. Regarde là. Ça cuit doucement. Non, mais moi je suis fan des bières congelées, tu sais, donc tu la laisses. Et quand c'est un glaçon, tu me le dis. Ça fait un Mr. Freeze. Ça fait oui, c'est ça, Mr. Freeze à la bière. C'est bon, au niveau du plat que nous on y va. Comment ça se passe? Eh bien, fort bien, nous allons déguster une petite. Une petite ratatouillade fabriquée maison. On est à Carénac, on est arrivé à vélo, on est chaud. On est au prieuré. Au prieuré de Carénac. Jolie petite église. Encore un des plus beaux villages de France. Avec une porte romane juste derrière nous. Regarde, je nous mets dans le cadenas.
un France Passion, chez un fabricant de fromage de chèvre. On va manger du fromage de chèvre, du sel sur chèvre. Du Valençay. Sainte-Maure de Touraine. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça c'est bon aussi ça. Bon, ça promet. Donc comme d'habitude, France Passion, on n'arrête pas, hein. C'est toujours la fête du palais. Ouais. Et demain, Morillon. Et demain, Morillon. Bah, les enfants jouent avec les chèvres dans l'enclos. Alors, ils ont des vêtements qui sentent bon. C'est parfumé. Voilà. On est très contents. Malo, il a porté les chevaux. Mais maintenant, déjà, ils sentaient un peu avant, mais maintenant, ils sentent le bouc. En fait. Bien. On va avoir de la lessive en arrivant.